Et salut à tous, c'était Kay, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Borderlands 3. Donc on va essayer de faire un petit let's play. Vous entendez noir. Voilà. Ce titre, oui. Non, accepté. Donc voilà, donc on va essayer de se faire un petit let's play. Alors. C'est quoi ça? Attention, petit camarade, ne peut. Hey, c'est bien ça. Bah du coup je m'en fous, enfin j'ai sûrement joué solo. Donc je pense. Quoique non, on va être en coopération. Donc, vous aimez les histoires, hein? Un récit d'aventure au bon milieu des étoiles. Approchez. Écoutez donc le vieux Marcus. J'ai justement de quoi vous faire rêver. Mon histoire commence ici, sur une planète reculée appelée Pandore. Pour beaucoup, ce n'est qu'une terre d'avarice et de violence. Ce qui n'est pas faux. Mais, à condition d'avoir un minimum de talent, elle peut aussi regorger d'opportunités. Les chasseurs de l'Arche. Ils fouillent ces zones reculées à la recherche de trésors aliens enfouis. Mon père me racontait déjà leurs aventures quand j'étais enfant. Et maintenant, c'est à mon tour. Vous vous demandez sûrement ce qu'on trouve dans ces arches. La gloire, la fortune, la puissance, ou bien des conneries comme la charité ou la famille. J'en sais rien, moi. Vous avez qu'à imaginer. Mais quoi qu'elle renferme, un chasseur de l'arche doit être assez déterminé pour arracher la victoire des mains jalouses du destin. Mon histoire du jour s'intéresse à un groupe bien spécial de chasseurs de l'arche, dont l'aventure débute à peine. Un groupe audacieux et affamé. Si je vous en parle, c'est peut-être qu'ils me font penser à vous. Mais juste un peu, je veux pas que ça vous monte à la tête. Ces nouveaux chasseurs de l'Arche répondent à l'appel d'une sirène. Cette sirène s'appelle Lilith, et c'est une véritable héroïne. Elle a sauvé Pandore au moins une dizaine de fois. Et aujourd'hui, elle cherche à former une équipe pour retrouver une carte. Une carte qui la mènera à toutes les arches de la galaxie. Mais elle n'est pas la seule à la chercher. Des forces maléfiques ont envahi la région. Une nouvelle menace pire que ce que la galaxie a pu connaître jusqu'alors. Mon histoire commence ici, sur Pandore, avec nos nouveaux chasseurs de l'Arche, la sirène qui les guide, puis bien entendu... Think like a soldier out on your own. Think
Quelle merveilleuse journée, remplie d'opportunités. Alors, y aura qui ? Une sirène guerrière, un agence, un don, une sirène guerrière de... Bon, ben voilà les gars. Féroce, puissante. Allons-nous... ça pourrait être un dompteur robotique. Alors, planète d'origine inconnue. Garde ta bestiole en laisse, ok ? Un agent spécial qui rentre au bercail. Alors... On laisse tomber les contrats ? Plus saigne ou flaque ? Un dompteur robotique. Un agent spécial qui rentre au bercail. Alors, on laisse tomber un dompteur robotique. Ouais, on va prendre flaque. Pour cette petite bête. Ah tiens ! Un nouveau chasseur de l'arche. Moi, c'est Marcus. On peut dire que t'as choisi le bon moment pour rejoindre les pillards écarlates. Tiens, quelqu'un a survécu à l'attaque. Je suis Lilith, commandant des pillards écarlates. Les bandits que tu viens de combattre font partie d'une secte qui cherche la carte des arches. Mais toi et moi, on va la trouver avant eux. Mon éclaireur t'attend un peu plus loin. Bonne chance. Elle parle dans mon esprit. Étrange. C'est ici que tu descends, toi. Excellent. Que la chasse commence. Essaie de rester en vie. Ça m'ennuierait de perdre un nouveau client. Et bienvenue. Bon, sur je suppose qu'on va avoir un clap. Ah. Ah, alors c'est toi la nouvelle recrue. Je suis un robot CL4 PTP, mais tu peux m'appeler Général Claptrap des Pillards Écarlates. C'est quoi ton petit nom? Je t'autorise à m'appeler Flak. En attendant que je décide ou non de te tuer. Merci. Je vais te précommander une pierre tombale, on sait jamais. Donc, les margoulins qui ont voulu te tuer, ce sont les descendants de l'Arche, une secte de bandits qui seraient prêts à se jeter d'une falaise pour leur leader cinglé. Ce qui me fait penser, si on veut que tu m'obéisses au doigt et à l'œil, il va te falloir un système écho. L'écho 3. Légèrement plus puissant que l'écho 2 et deux fois plus cher. Sans compter que l'écho 2 avait un petit problème de combustion spontanée. Ils le vendent toujours, mais sous l'appellation générique de... grenade. Alors écoute-moi bien, la bleue-soupe. Lilith nous a demandé de capturer un centre de propagande des descendants de l'Arche. On va montrer à ces fanatiques que les pillards écarlates sont pas là pour badino rigoler. Suis-moi, pour la gloire. Bon, allez, c'est parti, let's go, on va suivre le petit claptrap. Qu'est-ce qu'il va... Où est-ce qu'il va nous emmener? Avant qu'on se mette en quête de vengeance, enregistre ton écho à cette station maudite éclair.
Dès qu'on aura vaincu la secte, je serai célèbre. Et quand je signerai des autographes sur des nénés, je veux que t'aies l'air stylé tout en repoussant les hordes de femmes qui se jetteront sur moi. Ah, on peut choisir les couleurs, ça c'est chouette. Tu as l'air horriblement désirable. Oui, c'est ça. On va remettre comme ça. Hop. Un contrat d'utilisateur. Eh, trop marrant. Quel ennui. Alors, je me demande qu'est-ce qui est de marché. Les sociétés ne veulent que notre bonheur. Soldat et Hyperion. Et... Ok, ouais, voilà, disconnecté okay, dispositif. Le centre oh, fait de chier. Propagande est par là. Eh bien. Une porte fermée Ah, bah. Non, c'est impossible. C'est toute la mission qui tombe à l'eau. Réfléchis, Claptrap. Vite. Tu es courageux et puissant. Et les gens vont toujours ce que tu leur demandes. Ah, je sais. Recrue, ouvre cette porte. C'est un ordre de ton supérieur hiérarchique. Putain. Il se prend vraiment un peu pour de la merde, en tout cas, le petit clapin. Oh, bah, c'est ici. T'as réussi. T'es la meilleure recrue. Bon, mais j'espère que vous aimez bien. Pour le moment, moi je kiffe ma race. C'est vraiment le jeu que j'attendais le plus. Le centre de propagande est droit devant. Ces cinglés massacrent les pillards à tour de bras. C'est vraiment des gros nullos. Mais j'ai un plan en béton cellulaire pour leur botter le trou du fion. J'ai caché des armes dans le coin. Fais pas de bruit et suis-moi comme une ombre. On va être furtif. Qu'est-ce qu'il va encore nous faire? Je vais marcher jusqu'ici. Et je vais tourner. Et je vais aller jusqu'ici sans le moindre bruit. Il est vraiment complètement déchiré, quoi. Un petit tour rapide, je suis trop. Qu'est-ce qu'il fout? Trop discret. Je suis le robot le plus discret de tous les temps. Oh, c'était un peu fort. Let's go. J'ai fait. Eh, hey, il y a un tremplin. Parfait. Quand la mission sera finie, l'élite sera obligée de me nommer super général. Recule. Qu'est-ce qu'il fait? Putain. Furtif, ça. C'est surprenant que tu sois encore en vie. C'est ça, quoi. Sur Pandore, c'est quand il n'y a pas d'explosion que tout le monde trouve ça bizarre. Prends ton arme, recrue. Tu vas en avoir besoin. Ces armes, un peu comme moi, ne sont pas liées à leur fonction principale. Je peux danser et chanter. Oh, et certaines armes incluent aussi un mode de tir secondaire. Vas-y, essaie. Suis-moi, recrue. Ah, c'est gentil de me donner des munitions. Ça, c'est vraiment sympa, par contre. Ah, ici, un coffre. Ah ouais, je vous préviens, je vais être très chiant, hein, moi, tout ce qui est... Qui coffre, il va me les falloir. Hein. Attends-moi 2 minutes, hein, j'ai cherché de l'argent. Voilà. Eh, hey, trop marrant. On peut voir les défis de ses potes. Attends là, je vais les convaincre de m'ouvrir, devenir leur roi, et ensuite tu les massacreras par surprise sans pitié. Admire le style, recrue. C'est vraiment un fou, quoi. Y'a quelqu'un? Je suis Shiv, saint influenceur des descendants de l'Arche. Qu'est-ce que tu veux, tas de ferraille? Bonjour, cinglé assoiffé de sang. Je suis Claptrap, bourreau du destructeur et super général des pillards écarlates. Vous êtes complètement encerclé. Si vous nous ouvrez la porte, je ferai éventuellement preuve de clémence. Oui. Laisse-moi réfléchir une seconde. Ils se font peut-être appeler les descendants de l'Arche, mais ça reste des bandits, et les bandits sont terriblement stupides. Ok, on veut bien se rendre. Pitié, nous tue pas, tas de ferraille. C'est bien ce que je pensais. Ouvrez immédiatement les portes à votre nouveau roi. Doucement, doucement. Je vais sortir. Juste une seconde, voilà. Ça sent un peu le traquenard, hein, Claptrap. On a réussi. J'ai réussi. Encore une victoire des pillards écarlates. Je me sens bizarre. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah non, mais je me disais aussi que c'était un petit peu le tracteur. Hein. Hey, hérétique! Oh non, des calypso!
on a enfin un petit peu Ah ouais, mais du coup ouais, des tirs secondaires. Ah ouais, c'est un peu plus hardcore hein. C'est l'heure de ton cyclage. Le cul là. L'espoir complet. Meurs, meurs. Allez. Faudra un petit peu que je change mon sensé, je pense hein. D'ailleurs, je me demande si le son du jeu n'est pas un peu trop fort, parce que même pour moi, il est un peu fin. Putain, quel enculé. Le pauvre. Attends, il y a plein de coffres partout. Ah, je sais que Claptrap peut être un peu Claptrap, mais c'est quand même l'un des nôtres. Tu vas devoir le sauver. Je te rejoins très vite. Oh, c'est un coffre. Oh, ça a l'air rigolo ça. Tu me verras celui aussi. Attendez, j'ai juste option son. On va essayer de baisser un peu le son. Ça m'a l'air un peu fort quoi. Voilà. Putain, j'ai vraiment aucun shoot par contre. Hein. Il est où? Hop. Hop. On essaie de prendre un petit peu des mules et tout. Ouais, mais je trouve pas de heal. Moi je veux bien, je demande que ça. Ah c'est bon, je trouve du heal. Recrue, ton corps souple et délicat ne survivra jamais à un affrontement avec Shiv sans protection. Cherche-toi un bouclier. Alors où est-ce que je vais trouver du putain de bouclier? De toute façon on va pas là-dedans. Ok d'accord, ça n'a strictement servi à rien. Je pensais que c'était une cible qui m'indiquait un truc. Mais non. C'est de la couille. Bonjour. Bonjour. J'ai envie de descendre. Non, je pense que c'est pas une super bonne idée de descendre. Hein. Bon. Où est-ce que je vais pouvoir trouver du bouclier, moi? Tu non. Peut-être un bouclier dans ce coffre très rouge là-bas. T'as quel enculé, quoi. Il m'indique carrément où je vais aller. Ah ouais, là. Vraiment. Il devait vraiment prendre pour un incapable. Ouais. Mais du coup. C'est quoi? Ah, c'est. C'est un petit peu en anglais ça. Ok. Comment est-ce que je vais monter sur cette merde moi? Ah, je pense que quand c'est en jaune, on peut escalader. C'est un truc que je viens de comprendre. Mais je pense que ouais, c'est celui-là. Non, ah, ok. Mais ça devrait t'empêcher de mourir en un coup contre Shiv. Et maintenant, au boulot, recrue. Bon, on va les rendre après. On va te prendre. Shiv, tous tes crétins de copains sont morts. Je te défie dans un duel judiciaire. Mais comme je suis collé à cet aimant, c'est mon fidèle sbire qui te vaincra pour moi. À toi, cher éthique. Mais je suis pas un sbire. C'est vachement méchant, je suis pas du tout son sbire quoi. Il est où? Ah, j'ai pas de tir secondaire en plus. Ah, mais putain! Est-ce que ça c'est mieux? Je me bats, calme,
Putain, j'ai même pas une vraie arme quoi. Bon, ça va, il a pas beaucoup de vie. Hein. Ah, bah attends, mais viens ici. Ouais, bah du coup, ça n'a pas du tout atteint ma cible quoi. Je vais vous faire un truc stylé, ça va marcher, c'est bon hein, c'est bon. Viens ici. Hop. Ah voilà. Je voulais absolument le tuer comme. Alors, félicitations, vous avez gagné un niveau, votre santé augmente de façon permanente, vous récupérez tous vos PV, votre bouclier, mais surtout vous avez débloqué en compétences. Ok. Les humains de Pandore soient encore plus sauvages que sa faune. Un point pour les pillards écarlates. Claptrap et toi, sécurisez la zone. Je suis en route. Ah, trop bien, on va enfin rencontrer les défis. Oui. T'es en vie ? Oui, je suis en vie. Fais-moi descendre ! Les commandes sont au premier étage ! Alors, les commandes sont au premier étage. Premier étage ici, je suppose. Hein. Voilà. Bonjour, le coffre. Après, je regarderai qu'est-ce que je vais prendre comme compétence. Ouais. Ah, ça, je savais pas par contre. Alors les commandes sont au premier étage. Ah ouais, ok. Non mais c'est bon, il faut... Faut un petit peu... Hein. Eh oh, recrue. T'es toujours avec les pillards et carlates. Si oui, trouve les commandes de l'éban. Quel enculé. Voilà. T'as réussi, je le sais. Et si je le fais brûler, ça fait quoi? Ah. La meute n'abandonne jamais personne. Je suis quand même vachement méchant. J'ai réussi, à moi tout seul, j'ai affronté les DDA et je leur ai mis une belle gifle. On n'a plus qu'à prévenir Lilith que la mission est accomplie. Ouais, et j'ai quand même bien aidé, hein, je te le dis. Hein. Oh. Trop marrant, il fait un petit signal comme Batman. Salut. Lilith, je suis en mesure de dire que l'opération Claptrap de 3 est une réussite totale. Et j'ai tout fait moi-même. J'en doute pas. Putain. Bon. Par contre, attends, je vais regarder mes compétences, du coup. D'accord. J'ai envie d'aller voir. Alors, compétences. Flag peut choisir entre 3 compétences pour commencer. Plusieurs maligués. Ouais. Compétences. Ouais. Explosion gamma. Scoc de garde. Putain. C'est rigolo ça. C'est ici. Oh, ça peut être chouette ça. Vous avez dit c'est quoi? Toi aussi ça peut être chouette. Mais moi j'ai envie d'avoir un petit familier donc je vais prendre lui ici. Voilà. Oh, il est trop la classe en plus. Puisque la secte a détruit toutes les autres forteresses des pillards, on va s'installer ici. Alors, comment tu t'appelles? Salut. Je suis Flak. Et toi, tu es la voix dans ma tête. Explique-toi. Ouais, je préfère te prévenir. C'est pas la chose la plus bizarre qui t'arrivera sur Pandore. Mais sérieusement, merci d'avoir répondu à mon appel. On n'est peut-être pas nombreux, mais avec une brutasse comme toi, on a une petite chance. Bienvenue chez les pillards, écarlates. Pandore est une planète dangereuse. T'auras bien besoin de ce mode de grenade.
Tu devrais t'en équiper avant qu'on commence. Préviens-moi quand ce sera fait. Ok, nice. Bon, on a un mode de grenade. Ce qui... Oh. Ouais, mais c'est bon, j'ai compris. Hein. Ouais, équiper. J'aimerais bien l'équiper, en fait. Ah, mais j'ai déjà un autre mode. Ben non. Mais il est vide. Alors pourquoi tu... Ce que j'ai à dire, pourquoi tu ne l'équipes pas? Ce n'est pas fort sympathique, ce que tu fais. Bon bah les gars, on va se laisser ici pour le premier épisode. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Second épisode d'ici 2-3 jours, je dirais. Hein. Et j'ai aussi un unboxing de la version, enfin de l'édition collector qui va peut-être sortir si j'ai pas la flemme de le faire. Bon bah comme d'hab, hein, n'hésitez pas à laisser votre avis en pouce bleu, pouce rouge, un like, un dislike et à vous abonner. Ciao. Friend zone.